Ça va et vous? Ça fait longtemps? Ça fait longtemps? Personnellement, c'était un peu compliqué. Après, ça fait partie du football. C'est la première fois que ça arrive dans ma carrière, donc pas évident, mais voilà, je suis là et je suis très content d'être là. Il y a un nouveau coach et c'est beaucoup mieux. Ouais, un peu, on a travaillé un peu physique, mais on travaille physique, tactique et tout le même temps. On a fait une bonne semaine là pendant la trêve de travail. Après, je pense qu'il ne va pas changer de tout au tout en 15 jours non plus, donc il faut un peu de temps. Mais je pense que ça va venir et voilà, il faut tirer tous dans le même sens pour avancer et surtout gagner. Pour moi, c'est des choses bonnes. Parce que c'est bien que l'attitude, lui, du fait comme ça, papa. Donc pour nous, c'est bien les choses qu'il fait dans l'entraînement. C'est quelqu'un qui nous apprend le football, qui nous apprend des petits trucs. C'est une personne qui connaît le football sur le bout des doigts. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on apprend, qu'on écoute surtout. Parce que c'est des petits mots, c'est des phrases qu'il nous dit qui va nous faire avancer. Donc voilà, à nous de prendre. Tous les coachs, il y a différents travails. Donc il est dur, mais il est le coach. Donc il a besoin de faire toutes les choses qu'il veut. Donc s'il est dur, s'il n'est pas, on a besoin de faire. C'est une personne, je pense. Rigoureuse de nature. Après, il était dans un pays juste avant où c'était rigoureux aussi. Donc, on sait qu'en France, la culture, cette culture-là, on ne l'a pas forcément de base. Donc, non, c'est bien qu'il nous l'inculque. Après, c'est pas le seul coach qui nous dit d'arriver à l'entraînement à l'heure. Hein. Je pense que c'est la base du travail et dans tout travail, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est à nous de prendre le maximum de l'entraîneur, du staff et d'avancer. Le travail change beaucoup, donc c'est un nouveau travail. Il y a un peu de temps pour que les choses s'organisent. Mais on sent que c'est bien, en un moment difficile, mais on sent que les choses vont arriver pour nous. Il va commencer à marcher. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a du placement, du jeu, du défensivement, offensivement. Il y a beaucoup de phases qui changent. Donc voilà, il va falloir s'adapter au coach tout de suite, pas perdre de temps et de faire au mieux parce qu'en 15 jours, il ne peut pas tout changer. Mais voilà, de faire mieux pour gagner et surtout gagner. Après, la manière, il faut gagner. Après, c'est difficile de parler parce que Tous les matchs, on parle qui on sent et après, ça n'arrive pas. Mais on juste travaille, on ne parle pas beaucoup. Et on a besoin de juste travailler et croire que la victoire va arriver et les choses vont marcher pour nous. C'est ça qu'on fait, on travaille et on dit... Mais de toute façon, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'y crois, sinon je serais parti depuis un petit moment. Donc non, je suis très content d'être là et voilà, je suis nantais. Aujourd'hui, je veux tout faire pour gagner. Donc, la victoire.